GG les amis, c'est Mark Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Oh, ok les camemberts qui puent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les salles de cinoche? Parce qu'avec le virus, forcément c'est compliqué d'aller au cinéma. Un coup on y va, un coup on y va pas. Un coup c'est ouvert, un coup c'est fermé. Un coup tu mets la clim, un coup tu mets pas la clim. Parce que le virus il peut passer dans la clim. Un coup tu crois que tu peux prendre des pop-corns, mais un coup t'arrives et puis y'a plus les pop-corns. Un coup y'a des glaces, un coup y'a pas de glace. Bon bref, vous avez compris les amis, c'est compliqué. Et puis les lunettes, comment on fait avec les lunettes 3D? Parce que d'habitude quand t'arrives on te passe des lunettes. Et puis c'est à toi de les nettoyer toi-même tes lunettes. Mais ça c'est fini les amis, maintenant faut venir avec tes lunettes. Il n'y a plus de location de lunettes, faut acheter les lunettes. Alors t'achètes tes lunettes 3D. Fou, voilà, donc vous avez compris, aller au cinéma en ce moment, c'est complicos les amigos. Eh oui, parce que forcément on peut pas remplir la salle à cause des distances. Les distances de sécurité qu'il faut respecter. Eh oui, donc... Bah y'a que un siège sur deux, donc les cinémas ils travaillent qu'à moitié, puisque y'a moitié moins de place, forcément les amis. Donc c'est fini de se mettre côte à côte, de se faire des bisous dans la salle de cinoche, c'est fini. Si tu veux galoche une meuf dans la salle de cinoche, faut que ça soit déjà une meuf que tu connaisses. Donc tu peux venir qu'avec ta meuf. Tu viens avec ta meuf, ça va, mais si tu viens et puis que tu vois une meuf qui te plaît et que tu veux lui faire un bisou, eh ben c'est pas possible. Voilà, c'est comme ça dans la salle de cinoche maintenant, les amis. Voilà. Donc, je vais vous dire les films qui vont sortir bientôt, là, pour la rentrée. Donc la rentrée, c'est quand? C'est pas notre rentrée à nous des États-Unis de l'Amérique. Je parle de la rentrée des camemberts qui puent. Votre rentrée, donc c'est en septembre. Alors je vais vous parler des films qui vont sortir. Enfin, des films qu'on attend. Parce que c'est pas sûr qu'ils sortent. On sait jamais avec le virus. Ah, les films, ils ont peur des virus. Donc, les films qui vont sortir septembre, octobre, novembre, peut-être décembre. Voilà. Bon, les films de la rentrée, enfin, les films qu'on attend le plus. Parce qu'il y a plein de films, il y a des films, on s'en fout. Nous, on veut des gros films, on veut de la grosse action, on veut que ça claque. Donc, les amis, le 23 septembre, on attend un très gros film. C'est Kingsman, le 3. Voilà, Kingsman, les origines. Bah oui, donc ça va se passer avant le 1. On va savoir comment, comment cette organisation... de Kingsman, elle a été créée. Et pour qui, pourquoi, pour quand, voilà. On va répondre à toutes les questions sur les Kingsman, les amis. Donc c'est un gros, gros film. Et comme on repart à zéro, et ben on change toute l'équipe. Voilà. Donc les acteurs que vous avez connus dans le 1, dans le 2, eh ben ils seront pas forcément dans le 3. Voilà. Mais il y en aura peut-être un, mais je ne dirai pas les noms. Eh oui les amis, on reste dans les films d'action, les gros films. Et là, on va parler de super-héros, même de super-héroïnes, puisqu'il s'agit de Wonder Woman. Ouh, Wonder Woman. Vous savez, la meuf qui arrête les balles avec ses poignets, avec ses bracelets magiques, et qui a une corde qui te fait dire tout ce que t'as pas envie de dire. Voilà, donc le nouveau Wonder Woman. 1984, mais il sort en 2020. Ah oui, hein, c'est pas un vieux film qu'on refait. Non, c'est un nouveau film, les amis. Donc forcément, c'est DC Comics. Et puis c'est la même actrice. Et donc on est content. Allez, les amis, on reste dans les super-héros. On reste dans le mois d'octobre. Je vous l'ai peut-être pas dit, Wonder Woman, c'était le 2 octobre. Donc là, on reste dans le mois d'octobre. Et c'est le 28 octobre. Et c'est Black Widow. Donc Black Widow, vous la connaissez? C'est la rookie des Marvel, des Avengers. Vous savez, celle qui est habillée en noir et qui fait du karaté, du kung-fu et tout. Donc elle a pas de super pouvoir. Hein, elle s'est pas fait piquer par une araignée. Mais elle peut castagner. Donc il n'y a pas de problème, vous aurez de l'action avec Scarlett Johansson.
les amis, donc ça, c'est pour ce qui sort. Ben, les gros films du mois d'octobre. Allez, je vous lance, je vous lâche. Ha, un petit dernier pour le mois de novembre. Ça sort le 11 novembre et c'est le nouveau James Bond. Ça va déglinguer les amis. Voilà, donc ça s'appelle Mourir peut attendre. C'est vrai, on a le temps, hein. Enfin bon, ils sortent ça pendant le coronavirus. Mourir peut attendre, ouais, voilà les amis, hein. Vous savez ce que j'en pense ou pas. Voilà, donc c'est toujours avec Daniel Craig. C'est pas mon James Bond préféré, hein. Moi je préférais Pierce Brosnan. Mais bon, voilà. Ils ont dit Daniel Craig avec ses yeux bleus, apparemment ça fonctionne bien, les amis, parce que ces films, bah, ils cartonnent. Voilà, donc on continue à aller voir des James Bond. Donc ça, c'était pour les plus gros films de fin d'année. Il y en aura peut-être au mois de décembre. Mais je vous referai une autre vidéo, voilà, pour les films de Noël. S'ils sont pas trop contaminés par le virus. Parce que peut-être le Père Noël, il a le virus. Ah, parlons pas de malheur, les amis. Voilà, donc c'était Mark Smith pour les sorties cinéma. Voilà, bah moi, je retourne voir Donald Trump. Parce qu'on a des trucs à faire, des trucs à régler. Il y a les élections, c'est compliqué. La censure et tout. Voilà, je vous raconterai plus, les amis. Allez, ciao. With the